Aujourd'hui, c'est le premier cours de cette nouvelle démarche pédagogique-là au niveau culinaire. Avant, on donnait des cours de cuisine où est-ce qu'on n'avait pas une démarche pédagogique, mais à partir de cette année, grâce à l'atelier formatrice de 5 épices, là, on est vraiment plus dans une lignée pédagogique là, au niveau des ateliers culinaires. Grâce à une subvention qu'on a eue de Équiterre et des marchés métro, on peut donner 8 séances de cours de cuisine à nos élèves, de la première à la sixième année de l'école, mais dans une approche d'appropriation des techniques culinaires. Alors, on a formé les élèves avec l'équipe de 5 épices. Et là, nos éducatrices sont maintenant des formatrices culinaires. Alors, nos élèves vont vraiment apprendre les techniques de cuisine. Au début de l'année, nos parents bénévoles ont fait un moyen de financement avec Équiterre qui s'appelle les écoles enracinées et nous ont offert de participer, de proposer des projets pour pouvoir avoir des bourses. Et nous avons déposé un projet d'habileté culinaire pour nos élèves qui a été retenu. Alors, on a eu une bourse de 1 000 $ pour nous aider dans notre projet.